Previously on Astroneer. Donc ça c'est la c'est ça Drama End. Bon, il y a des petits il y a des petits bugs de captation, c'est étrange ça. J'ai pas enlevé la caméra, c'est ça qui me dit? Voilà, j'enlève ma tête. Donc voilà, ça c'est la commande Drama N qui ne s'est pas déclenchée avant-hier. Et du coup, qui que j'ai enregistré, que je voulais vous partager sur Discord, mais j'ai oublié. Ah oui, mais du coup, il y a le son. Ah oui, d'accord. Attendez, je vais enlever le son de la vidéo parce que c'est un peu bête. Bon, je t'envoie un bonjour officiel d'Emote. Que je vois beaucoup de... Alors oui, donc il y a 5 images. Bon, là je vais pouvoir l'arrêter. Il y a 5 images qui sont captées, sauf que il me fallait une image de base pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien. Je remets la caméra. Et en fait, il se trouve que là, j'étais parti sur les images de Baldur's Gate qu'on avait déjà fait. Voilà, bonjour. Je peux enfin mettre la caméra en place. Sur une idée originale, bien sûr. J'ai débugué le Drama End. Ouais, on peut déclencher si vous voulez déclencher, mais je pense que ça va pas changer le bouton encore parce que je crois qu'il y a un petit. Enfin, il veut pas mapper pour l'instant, d'après ce que j'ai compris. Il veut pas mapper ou changer le mapping en stream, ce qui me paraît un peu logique. Du MIDI, du clavier MIDI que j'utilise. Je comprends. Ça demanderait beaucoup de ressources. Voilà, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'avais peut-être des... Alors, est-ce que j'ai des trucs à vous partager? Ah, je sais plus. Ah, c'est ballot, balle dure, ça ressemble pas à Astroneer, c'est vrai. Hein. Ça aurait pu marcher, mais... Alors, attendez. Ah oui, c'est ça. Il faudrait qu'on essaye d'abord. J'ai essayé de trouver Radio Garden, une autre manière de... capter du coup la radio et que du coup j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelait World Radio Map, mais est-ce que ça marche sur LibreWolf histoire que je n'ai pas de problème de lourdeur de ressources. Ah ouais, non, c'est un peu dégueulasse, un peu dégueulasse. Select country, ouais, c'est en plus c'est par country. Oui, bah oui, mais il n'y a pas beaucoup, pas beaucoup de propositions, quoi, à part des New Yorkaises, là, de ce que je vois. Boston. Après, il y a des trucs qui se passent en ce moment, hein, dans les campus à Harvard et Yale. Il y a des trucs qui se passent, et c'est bien. Ça a commencé aussi à Sciences Po, et apparemment, ça a été délogé, d'après ce que j'ai compris ce matin. Bon, on tente encore, radio... Garden, pour voir si ça fonctionne. Oui, mais si tu veux, moi je veux bien autoriser le WebGL. Ouais, mais c'est la browser qui ne supporte pas ça. Ok. Bon, bah bon, bonne journée, Nibbler. On va commencer, t'inquiète pas. C'est juste que faut que je lance... Bon, je vais lancer la radio après. J'ai pas mis en place le truc de VLC pour l'instant, Clem Lelu. Je lance Astroneer. J'enlève la musique. Comme c'est bizarre, World Radio, c'est que les USA, ouais, bah, c'est pas très étonnant en vrai. Ils sont très, très le monde c'est eux. Est-ce que Astroneer a décidé de ne pas se lancer aujourd'hui? That's a great question. Bon, ça serait bien que tu te lances, petit jeu. Ah, voilà. Surtout qu'on a des choses à faire à Glacio, là. On est censé refaire toute une base. Se balader, trouver du fer. Et de l'hématite, je crois. Ok, donc Astroneer se lancer. D'accord. Ah bah, on est là. Ah bah. Ah mais moi, j'avais pas compris. On a une base satellitaire.
Ok, première chose faite, maintenant la radio. C'est vrai qu'on est en Écosse. À Glasgow. Alors, Radio Garden sur. Je tente pour l'instant les trucs qui ne sont pas Chromium parce que je sais que je bloque la plupart des choses. Quand c'est pas du Chromium, je bloque énormément les. Pas si ça va bien fonctionner là. Allez. Allez. Bien sûr, Chromium ça sert pas à grand chose de bloquer, sachant que en vrai ils bloquent de même. Et ils veulent, pardon, envoyer énormément de données. Ah bah voilà, on va commencer avec Woz Radio. Vous entendez du son? Je crois que oui. Voilà, la radio est lancée. Nous pouvons commencer. On va voir si ça. Alors je vais enlever l'aperçu comme ça. Hop, c'est bon. Et oui, on est en Écosse. Un peu l'air glacial de l'Écosse, mais on est en Écosse. N'hésitez pas, si vous voulez changer la radio, à me proposer. Oui, parce que je vous ai pas envoyé le lien, du coup, je vous envoie le lien. À me propos, vous allez juste à chercher dans Radio Garden et vous me donnez une radio que vous appréciez. Grosso modo, c'est ça. Ou un pays qui vous intéresse en musique. Alors, oui, je suis un peu team hip-hop, c'est vrai. Oui, indeed. Alors ça, c'est nos stations de wagon. Je pense qu'on va devoir faire. On va devoir faire des trucs qui concernent la création de petits générateurs. Voilà, on va faire peut-être un. Non, petit générateur, ça sert à rien. Il nous faut. Les éoliennes, il y a l'air d'avoir pas mal de vent, ça serait pas mal d'en faire. Il faut quoi? De la céramique, je pense qu'on va galérer à trouver ça. Cuivre, peut-être. Solaire. Il nous faut au moins un début de machine. Chercher ça. Ah, la dynamite, c'est quoi qu'il faut? La poudre explosive. Ah ouais, mais ça, c'est une galère à avoir. Bâton lumineux, on s'en fiche. Emballeur, on s'en. Quoi qu'emballeur, ça pourrait être intéressant. Graphite. Klaxon. Petite imprimante, voilà. On va faire l'imprimante. Parce qu'on va devoir s'équiper. Donc, on a notre petit abri. Et on va commencer à construire très rapidement les trucs qui vont être nécessaires pour notre survie dans un milieu non hostile qu'est glacial. Donc on va faire la petite imprimante et elle est à connecter et on va pouvoir commencer à faire des trucs un peu plus gros. Hop, imprimante moyenne, il faut du composite. Ok. Le composite, je pense que ça se trouve assez facilement, mais on va le chercher. Ça, on va un peu être en mode tranquille hein, aujourd'hui, je pense. On n'a pas beaucoup de rallonges, en plus je crois que j'ai utilisé toutes les rallonges la dernière fois. Il y a l'air d'avoir des trucs intéressants. Donc là il y a du composite, ça peut être bien. Ah ouais, bah bien sûr, c'est quand je creuse que ça ne marche pas. Lol là. On a un composite. Continuons. Tiens. Ah bah. On va aller là-haut. Ah, mais il y a une rallonge ici, abandonnée. Bah voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un trou. C'est vrai qu'il y avait un trou. Là, il y a un truc de recherche. Ok, détritus. En fait, c'est ça qu'il faudrait qu'on trouve, c'est plusieurs détritus, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas des masses dans le coin. Ça va nous donner des octets, donc ça, c'est pas le plus important. Là, en fait, il nous faut vraiment des composites. Je pense qu'on va aller, dans le trou, hein. Non, c'est pas des composites. Oui, c'est des composites qu'il nous faut. Des composites, ça ressemble à un truc blanc comme le jaune,
Mais vous mettez du blanc à la place ou du gris. Et ça ressemble à ça. Normalement, on n'aura pas de problème de batterie cette fois-ci. Ouh, là, il y a un trou ici aussi. Intéressant. Ah. Parce que j'ai bah, j'en ai acheté une, en fait, tout simplement. Bon, ballon déraciné pour récupérer les graines. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça fait boum. Faut du composite, je crois, ouais. On peut prendre ça pour faire des bombes. Là, ça fait boum. Alors, apparemment, c'est pas sur, c'est pas dans cette pampa qu'on va trouver des trucs. On va en retourner à la maison. Peut-être en montant par là pour voir ce qu'il y a là-haut. Aha! Il y avait plus de débris sur Désolo. Je suis un peu deg. Parce que là, en fait, le truc, c'est qu'on va. Les débris, ça nous aide pas mal au début. Pour avoir du matériel, quand même. Pas des masses. Regardons un peu la distance. Ouais, il n'y a pas grand chose. Là-bas, il y a encore une station de métro. Pas grand chose. Et là, si je tombe, j'imagine que je meurs. Ouh là là! Faut que je rentre! Vite! Regarde si je peux sauter là. Ouais, c'est bon. Ah, c'est gelé! C'était de l'argile gelée? Attendez, j'ai pas checké. Ah, mince. Oh, des rallonges en plus. Des rallonges. On n'a pas besoin de klaxons, je pense. Rallonges. Ouais, il nous faut du composite encore pour les rallonges. Mais ça, c'est pas les bonnes rallonges, ça. Ah, il nous faut vraiment du composite. Ah oui, mais c'est pas infini. De quoi? Immense d'herbe maintenant. Oui, alors, j'ai les deux packs en plus. Ce qui veut dire que je peux être en autonomie. Et vu que la dernière fois, j'ai débloqué l'oxygénateur portable, j'aurai bientôt plus besoin de rallonge du tout. On arrêtera de polluer le monde à base de rallonge. Bloc, là, il est où? Il est là. Argon, je. Compatible avec la salle de recherche. Bon, là. Ok. On est ça. Ça a l'air intéressant. Là, c'est de l'hématite, je pense. Okay. Les blocs rouges, je pense que c'est ça. Parce qu'on n'a jamais vu de blocs rouges et de toute façon, sur l'hématite, c'est rouge. Donc, on va se dire que c'est ça. On va le ramener tout en haut. Dès qu'on aura notre imprimante moyenne, on fera une salle de recherche. Ça permettra d'avoir des octets assez rapidement et de pouvoir débloquer des trucs qu'on pourra pas débloquer ailleurs. Mais là, on a un problème de composite. Et ça, je m'attendais pas à ce qu'on en ait un. Un peu chiant. Du coup, là, si on n'a pas de composite du tout, on n'a pas de rallonge. Et si on n'a pas de rallonge, je vais devoir faire des allers-retours. Si je dois faire des allers-retours, on peut mourir toutes les 6 secondes. Et ça explique du coup pourquoi il y a des niveaux différents de difficultés sur le monde. Donc, sur les mondes, je précise. Là, le trou, non? C'est après. On va prendre un peu le maximum ici. Je vais m'équiper de ça et faire de l'aplat. Rude quand même. En fait, ce serait bien qu'on ait une. Ah, mais là, c'est un peu agressif là. C'est un peu agressif comme descente. Ah, est-ce que je vais pouvoir creuser dans ça aussi? Ça, c'est une autre question. Est-ce que j'ai les bons outils? ah, ça va prendre 15 ans.
J'entends. De remonter. C'est encore plus agressif comme, comme descente. Ça devrait être bien. Allô, salut, allô Lily Poppins. Allô Lily Poppins. Rêve avant, ça a l'air tendu ce que tu veux faire. Ouais, non. On joue dangereux, hein. Rappelez-vous, hein, comme dans Baldur's Gate, on joue dangereux dans ce monde. Pas de sauvegarde autre que ce qu'on attend. Je pense que là, ça devrait être pas mal comme descente, ça devrait être mieux. Par contre, là, le truc, c'est qu'on va devoir creuser et trouver une grotte, et j'ai l'impression qu'on n'a pas les bons outils. Ce qui est possible, parce que j'ai augmenté qu'une fois mes outils. Là, par exemple, vu que c'est de la. C'est de la roche. En fait, ça va prendre un peu plus de temps. La terre, quoi. N'hésitez pas si vous voulez changer de radio, n'hésitez pas. Là, on est à ce WW Oz. Par exemple, ça, je peux pas le taper. Oh! What the fuck, man? Non! On a un problème. Ah, si je peux même pas passer le premier niveau là, ça va être compliqué. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. On n'a pas les bons outils. Niquez-moi. Non! La couche, elle est trop dure. Et on n'a pas de composite. Mais niquez, nique. On a fait une bêtise peut-être. On peut revenir, hein, mais... Oh, j'ai dû augmenter mes outils, là, c'est compliqué, on peut même pas trouver ça. Bon. C'est peut-être pas le bon trou. On va changer, choisir un autre trou. On a plus de on a utilisé nos deux bonbonnes d'oxygène en plus. Bon. J'aime le lui et j'ai l'impression que t'es en suspense, hein. Moi, je suis pas sûr que tu ressortes vivant. Moi, je pense que ça va, hein. Faut qu'on trouve absolument, je pense, des. En fait, il nous faut. Oh là là. Un autre trou ici. Là, ça va être encore la même chose. On est juste à côté. Pleine de glace. Je pense qu'en fait, il faut qu'on n'est pas au bon endroit. Là, c'est pleine de glace. Je pense que ça veut dire qu'on a un... y a... on n'a pas le niveau. Au niveau des outils. Pour pouvoir survivre à ça. Donc, on va se balader ailleurs. On a de quoi claquer. On va se faire construire des montagnes. On va monter sur les montagnes. Là-haut, il y a l'air d'avoir un truc. Vous voyez le petite tache noire là-bas? Ah! Crois que j'avais ouvert un chemin sur l'autre côté. Allo, Hippopine, j'espère que tu vas bien en tout cas. Je t'ai pas dit, je t'ai pas demandé, mais. Aurons-nous les outils? Là, c'est la grande question. On va essayer de monter là-haut. Alors, pour monter là-haut. Là. Mais non! Non, bah, l'heure que bien, n'hésite pas. On se pose. Ah, voilà exactement ce que je cherchais. On va pouvoir. Ah, mais un emballeur, c'est très 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 bien. Mais on a. Alliage de titane, mais on a tout. Mais c'est exactement ce qu'on cherchait. Mais c'est magnifique. Non, c'est alliage de titane et de carbone qu'on avait besoin. On va laisser ça ici. Et je vois qu'il y a une autre deuxième éolienne en bas. Hop, on prend les éoliennes. Alors, ça va être bien parce qu'en fait, les éoliennes, je sais pas si vous avez compris, mais y a pas mal de vent ici. On va venir chercher l'emballeur après. Je peux prendre ça là? Merci. L'emballeur et l'alliage de titane, on viendra chercher après. Est-ce que je peux sauter là? Oui. Ouais, ça va. Ça va.
Donc ça va permettre d'autonomiser un peu le truc, parce que j'imagine que l'abri, il a pas trop de dépenses énergétiques. Par contre, il doit avoir pas mal de... Je vais peut-être le poser là-haut. Attends, il a peut-être pas trop de dépenses énergétiques, mais par contre... Ah, ça a l'air d'être bien agressif, ça aussi. Oh! C'est quoi ce truc? Ça crache! Ah, le bruit horrible. Bonjour, Yaming Bell. J'espère que tu vas bien. On est dans un milieu hostile, on n'a pas les bons outils, mais j'ai trouvé des éoliennes. Ça, c'est bien. Et on est venu chercher de l'alliage de titane, et on vient de trouver de l'alliage de titane. Ce qui est pas mal. Là, déjà. Comme ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... on le remarque pas trop sur le... Comment ça s'appelle, là? Sur le chemin de Silva, on remarque pas trop, mais parce que c'est plutôt équilibré au niveau des dépenses énergétiques. Mais sur Désolo, j'ai remarqué que on avait un gros problème de gestion très rapidement à l'extérieur de Silva. On a un gros problème de gestion d'électricité. Toujours pas la grande forme, mais plus écrasé de fatigue. C'est déjà ça. Du coup, tu sais toujours pas ce que t'as, au final. D'après ce que j'ai compris. Mais en tout cas, gros Kokoro, comme tu dis. Gros Kokoro pour toi. Ok. Écoute, je t'envoie des cœurs. Plein de soins pour Raving Bell. Ah! Attendez. Ah, ah, qu'est-ce qui se passe? Non mais, le jeu, te barre pas, s'il te plaît. Je suis en train d'envoyer un message à Raving Bell, s'il te plaît. On peut survivre à ça. Ah, juste envoyer un message. Non. Apparemment, non. Ah! Qu'est-ce que je fous là? Attendez, deux minutes, je suis en train de me faire bombarder. Voilà, je touche plus à rien. Ok. Voilà, je t'envoie des cartes maintenant. C'était compliqué. Là, j'ai enfin pu récupérer ma carte de mutuelle de cette année. Bah, ça, c'est bien déjà. C'est ça qui m'a agressé. Hein. Mais ça fait des. Ça, du coup, ça fait des bombes. Alors, je vais juste voir. Voilà. Est-ce que tu. Ça lance des grenades, d'accord? Et après, ça fait des trous ou pas? Le monde est devenu tout d'un coup très agressif. On se prend des lancers de grenades. Ça, c'est pour toi, du coup. Je relance Woz. N'hésitez pas. Je vous rappelle qu'on a des nouvelles commandes, dont Drama. Qu'on peut mettre tout de suite, d'ailleurs. Comme ça, on va voir si ça fonctionne à la fin. Donc là, ça va prendre des photos à partir de maintenant, toutes les 15 minutes. Et on va avoir le droit à un super générique. Enfin, un début de générique, plutôt. Type drama, drama coréen spécifiquement. J'ai pas encore mis les logos, mais bien sûr vous allez voir, c'est n'importe quoi. J'ai prévu de mettre tous les logos possibles et inimaginables. Bref, voilà. Et la musique aussi, j'ai pas encore mis en place la musique, mais bon, il faut que je trouve la musique, c'est plus compliqué. Alors, on va continuer, on va récupérer nos affaires. Logo Ré. Ah, la logo Ré. Ah, même le logo Ré. Alors, l'emballeur, on va le prendre. Ah, mais j'ai pas déposé mes armes. Attendez. Ça, j'en ai pas forcément besoin. Ça, je le laisse ici. On fera du carbone plus tard. L'emballeur, ça va être important. L'alliage, faut le ramener. Alors, on avait dit que c'était un peu... Ouais, ça faisait un peu mal. On avait dit. Alors là, on est en galère de composite. On a une ressource en moins qui nous empêche d'avoir des rallonges. Donc là, le mieux qu'on peut faire, c'est essayer soit de. Si on n'a pas de composite, d'essayer de créer l'imprimante moyenne. Ce qui est un peu compliqué parce que. Il faut du composite. Mais si on trouve. C'est possible qu'on en trouve. Si on n'en trouve pas. On va avoir un petit problème parce qu'en fait on va devoir sans doute se déplacer dans une autre. Non, je peux pas vider tout le sac à dos parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants. Il y a de l'électricité en plus si jamais j'ai un problème de puissance de creusage. Il y a des trucs qui m'intéressent là. Pas du tout. Mais c'est vraiment vide, j'en peux plus. Là, il y a encore une station de métro. Et si on essayait de ramener ça à côté des lanceurs de grenades, qu'est-ce que vous en pensez?
Voir si ça ouvre. Là, il y a un truc qu'on peut ramener aussi. On n'a pas de recherche, mais voilà. Peux creuser ça ou nique-moi? Oh là là là. Ça a l'air d'être nique-moi ça. Le logo d'eau là au sol. Au sol. Là, notre entrée est pas mal, hein. J'aime bien. Regardez, c'est joli et tout. Quand on aura un endroit de recherche, on pourra utiliser tout ça, ça sera bien. Je vais essayer de faire un truc juste avant pour avoir une plus de facilité à traverser. Voilà. Donc comme ça. Voilà, on n'a pas besoin de faire le tour. Mais en fait, je suis en train d'y penser, mais t'as pas tort, hein, sur le principe, je devrais me débarrasser de peut-être des trucs d'énergie là. Deux, allez. On y va sans. On va voir ce que c'est. Ah oui, c'est ça, il fallait essayer les explosifs là. Alors, on va essayer de tester les explosifs avec le truc qu'on a. Hein. Hop, bim. Hop, alors, je le mets là. Ça, c'est censé être recyclé en résidu. Vas-y, montre-moi ce que tu peux faire avec ça. Regarde, je suis là. Lance-moi une grenade. Oh, mon dieu. Pas l'air de marcher. Hein. Ça a pas l'air de marcher. Bon, on continue. J'ai l'impression qu'on va pas avancer beaucoup. C'est dramatique. On peut même pas creuser le premier niveau. Je pensais qu'on pouvait au moins faire le premier niveau. Du coup, on va devoir trouver vraiment des composites quelque part. Je ne sais pas où. Oh, c'est joli, regardez. Eh, mais faut que je te shoot toute aussi, une belle. Et oui, ah oui, faut que je shoot tout aussi quelqu'un d'autre parce que j'ai regardé. J'ai regardé le ce qu'il ne faut pas regarder tardivement, on va dire. Non! Ah, j'ai failli mourir! Tu vas chercher les médocs, ok. Bah bonne pharmacie, j'imagine que c'est la pharmacie qu'on va chercher ces médocs. Oh, un bug X. Un bug X. Avec un gros klaxon. Pas incroyable. Continue. Oh! L'ammonium. Ok. Ah bah, il a l'air d'avoir plein de trucs. Ouais, il nous reste encore. J'espère qu'on n'a pas de piège improbable. Ah bah voilà. Si, il y a des pièges improbables. Il y a les grenades. LOL. Ouais. On est dans le caca ici. Oh là, en plus, il y a que les grenades partout, quoi. Je peux rentrer, hein, j'en ai marre. L'ammonium, c'est intéressant, mais ça va pas nous aider. Oh non, mais tout est agressif. Ah, je vais mourir. En bas, il y a encore une station de métro, mais il n'y a pas de wagon. Très bonne musique, hein, d'ailleurs. Je tiens à préciser. On kiffe, on kiffe. Oh là là, mais je pensais pas qu'on allait avoir autant de problèmes. Faut que je regarde ce qu'il faut pour l'oxygénateur. Hein. Vais me poser. Alliage de nano. Mais attends, mais c'est peut-être ça là, non?
Titane. Ah, niquez-moi! Nanocarbone, il faut. C'est un mélange de titane et de carbone. Oh là 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 là. Bon. Ah, mais j'ai pas tout rempli, il faut que j'attende. Oh là. Mais non! En fait, ce serait bien qu'on ait une map. Et je comprends mieux maintenant, du coup, le métro. Parce que s'il n'y a rien à des mice, c'est compliqué. On va aller du côté des grenades. Faire une esquive. Rien. Là, il y a encore une station. Il y a encore des grenades. Un buggy. J'ai l'impression que ouais, on a passé un niveau. Bon, désolé, c'était simple. Au final. La comparaison à ce qui est en train de se dérouler là, clairement. Je vais prendre ça. J'ai besoin de ça. Ah, si! Moi que c'est. Composite! Enfin! Allez, on en récupère plein. Il y a de la graphite aussi, mais c'est génial la vie. Tout va bien là. La graphite, ça sert pas à grand chose, mais je prends. Là, il y a encore du composite. Je suis plein. Ouais, je suis plein. Ok, donc on va faire. Allonge sur le chemin, peut-être. On va passer par là. Voir si on voit ce qu'on voit loin. Ah, regardez, c'est joli. Attendez, je vais checker. Hop. Je check juste 3 secondes ce que vous voyez. Je sais plus s'il y a le HUD. J'ai l'impression que oui. J'enlève le HUD. On a, ouais, franchement, au final, on n'est pas loin. Elle est pas si méchante, non. Ça aurait pu être pire. Suis-je bête? Suis-je bête? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? S'il vous plaît, survivre dans la vraie vie. Ça serait pas mal. Voilà, merci. Ah. C'est dommage qu'on n'ait pas les notifications parce que là, vu que je joue sur le Game Pass, en vrai, je pourrais très bien avoir la possibilité de faire. Donc, premièrement, on va faire l'imprimante moyenne parce que c'est ce qui est le plus important. Et après, on fera des rallonges. On sait. Voilà, hop. Oh non! On peut la poser quelque part. Mais niquez-moi. Il nous faut une plateforme. Ah, rien de ça. Aluminium, oxygénateur. Ça, on n'en a pas besoin. Broyeur moyen. Ah, il faut du fer. Ah oui, mais oui! On peut faire du fer ici. Auto. Partiteur. Partiteur moyen. Ça, c'est pas très intéressant. Plateforme. La résine, stockage moyen, on s'en fout. Remorque, on s'en fout. Graphite, emballeur, ça on... Bon, il a déjà fini l'emballeur, là? Ok. Donc, prochain truc, on va essayer de faire le brouillard, parce que ça va utiliser les débris, mais... Partout... Plateforme, voilà. Et du coup, il nous faut la résine qui est là. Prends la résine, s'il te plaît. En vrai, pas mal, hein. Et on va faire des rallonges parce qu'on a besoin de rallonges.
Salut Strega! Bon, c'était compliqué juste avant que tu arrives. Donc maintenant que Strega est là, connaissez-vous l'effet spoiler? plateforme, ça demande quoi? Faire du fer, mais oui, t'avais déjà un emballeur, non? Alors, shoot-out du coup à Spino Pizza. Qui s'est infligé ce qu'il ne fallait pas s'infliger? voilà. Hier, il y a eu un super live que j'ai vu après. Donc, on va aller chercher du composite encore. On en a besoin de 3. Et d'une grande plateforme, donc de la résine. Et on va aller checker les hématites pour voir si ça fait du fer directement. Résine et composite, du coup. La salle de recherche, ça peut être pas mal aussi. Composite et résine. Ah, trouvé pour l'instant. Continue. Donc ça fait du fer ou pas? Non, l'hématite, oui, c'est matériau pour le fer, mais il faut le faire fondre. Bah, la vie, on peut pas traverser le premier manteau, dans le sens où on peut pas traverser le premier niveau de sol. Et je remets la musique d'ailleurs. Remarque que sur Firefox, ça marche mieux. Donc du coup, là, on a un peu galéré parce qu'on n'a pas de composite. C'est une planète qui a pas beaucoup de composite, ou du moins pas beaucoup de ressources de base. Et en fait, c'est ça le problème de cette planète-là. Par exemple, pour trouver du composite et un peu galère, mais on vient de trouver. Là, on a du composite et on va aller chercher la résine après, qui est normalement juste à côté de là où on est. Je vais creuser au maximum parce qu'on a beaucoup beaucoup besoin de composite au final. Désolé, petite planète, on fait des trous pour l'instant. On va essayer de remplir les trous après, t'inquiète pas. Après, c'est une planète qui a quand même des... Il y a quand même déjà des... Oh, c'est fini. Il y a quand même déjà des plantes qui fait des trous, donc en soi... Et la vidéo d'hier, c'est vraiment un des trucs les plus claqués que j'ai jamais vu. Mais alors, moi, je n'ai toujours pas compris qui sont ces gens. Parce que moi, je connais... Enfin, j'ai suivi, j'ai entendu parler, j'ai vu des gens interagir avec cette personne, que je ne citerai pas. Mais je comprends pas. Donc ça, c'est très agressif, ça lance des grenades. On vient d'apprendre ça, regardez, ça fait des trous. Et ouais, donc du coup, je comprends pas d'où ça vient. Et les discussions. Et moi, j'ai eu un passage quand même d'écoute pour me dire qu'est-ce que c'est que ce truc pendant l'année dernière. Hein. Parce que j'ai vu tellement de gens interagir et je comprenais pas. Par rapport au tech, je comprenais pas en fait. Qu'est-ce qui se passait et tout. Moi, j'étais perdu. Et du coup, j'écoutais et je me suis dit, mais attends, mais il y a un problème en fait. Il y a un gros problème. De fusion, je pense qu'on va en avoir besoin. On va essayer de faire le four de fusion et la salle de recherche. Comme ça la salle de recherche, en vrai, on n'a pas forcément besoin. Je crois que ça devrait aller. On va faire l'imprimante surtout. Faire la plateforme après. Ouais, j'ai un peu une mine de composite, ouais, ça. La planète est méchante, oui, bon, c'est les planètes. Non, mais déjà de dire que t'es infi... Oui, alors, mais ça, c'était. Mais ça, c'était rigolo, ça. Mais moi, je pense que c'est exactement comme certaines personnes qui. C'était la mode de l'infiltration, quoi, sur Twitter, quand même, pendant longtemps. Il y avait plein de gens qui disaient, enfin, des gens qui étaient nuls aussi, hein, qui disaient, ouais, j'ai infiltré, non, et c'est... En fait, ça dit tellement ses couleurs. Je comprends pas comment il peut pas, enfin, tu vois, il peut pas capter ce qu'il fait. C'est compliqué, quoi. Et les questions à Léomant, mais en fait, qui? Enfin, je sais pas. Moi, Léomant, moi, pour moi, c'est un de mes pires ennemis. Tu vois, je sais que Sakatov, son pire ennemi, c'est Ruffin, mais moi, j'ai énormément peur de... Donc, Sakatov de la chaîne Contre-Euphorie. Je comprends tout à fait pourquoi. Je valide à 100% la position de Sakatov sur Ruffin. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est Léomant, parce qu'il est... Il est porté déjà, Léomant. En fait, c'est ça qui est très chiant, c'est qu'il est déjà porté par des gens
Et les gens, ils vont se dire, ouais, non, mais en fait, tu vois, je le connais depuis longtemps. Tu vois, il a fait des photos sur des marches du Tchékar, quand même. Je me dis, mais non, s'il vous plaît. Du coup, faut aller chercher de la résine, c'est ça que je me disais. Pour la plateforme. Et après, on va. Je crois que la résine, c'était ici. Ouais, c'est vrai. La photo sur les marches, mais moi je suis désolé. Il y a des gens, ils trouvent ça vachement bien et tout. Moi je trouve ça. Enfin, pas cringe, hein. Mais enfin, je sais pas exactement si on peut appeler ça cringe. Mais en fait, le gars, il l'appelle la Constitution, tu vois. C'est tout à fait. Pour moi, c'est tout à fait. Et c'est pour ça que. Parler aussi de Sakata, c'est tout à fait. Ah bah tiens, il y a un trou là. On peut avoir accès au trou là. Parce que là, il y a une plante. Viens chercher dans quelques secondes, petite composite. C'est tout à fait le même en quoi c'est raciste, en quoi c'est raciste, et la fin surtout. Dans la Constitution, le mot race est effacé. Pour moi, le moment, c'est clairement ça, en fait. Et bon, bref, bon, on verra, hein. Peut-être les positions vont changer, hein. Peut-être plus de radicalisation du côté de le moment, mais. Moi, j'ai un gros problème. J'ai très très peur de ce que LFI produit, en fait. Par leurs politiciens par la suite, quoi. Et en fait, c'est. Grande plateforme étendue, ce serait un peu extrême, non? Surtout qu'on peut en faire avec deux résines là, c'est mieux, non? Ah non, c'est trois résines. La plateforme étendue, ça ressemble à quoi déjà? Je check là. La grande imprimante, on va la poser ici. Poser ça? Oh, je suis parti du mauvais sens. Ça c'est nul ça. Au 3, oh là là. Allez. À une plateforme, elle est étendue, tu vois. C'est pas vrai. C'est pas faux. Plutôt. C'est pas faux. La photo sur les marches, ouais. Mais oui, moi je. C'est clairement même vibe. Moi je m'inquiète beaucoup de Léo Morand. J'avoue que Ruffin, c'est surtout parce que. Électoralement, en vrai, derrière. Tu vois, il est déjà dans des positions. Là, il a fait. En parlant de Ruffin, tu vois. J'ai reposté le truc de Sakatov là, hier sur la vidéo sur la suprématie blanche, mais attendez, il a fait un tweet récemment là en disant où est l'extrême droite, il jouait au foot, mais il se fout de la gueule de qui en fait? Pour moi, ça c'est du gaslight enfin, c'est du gaslight de base sur le fait que le mec a quand même, tu vois, c'est tout le monde sait, il se fait taper dessus à gauche de sa gauche. Sur le fait qu'à chaque fois qu'il y a un truc antiraciste, le mec, on lui rappelle qu'il était au foot, parce qu'il a sorti la plus grosse excuse de tous les temps pour soi-disant pas pouvoir participer à la marche de la justice, pour la justice, etc. Je ne me rappelle même plus du terme en entier, tellement ça me vénère. Et que le gars, il lui réutilise ça pour dire ouais, ils sont au foot. Mais en fait, il m'en veut, hein, ce gars, il m'en veut. Et Ruffin, je crois qu'il a sorti un truc comme ça sur Twitter. Il avait piscine. Non, mais il a ressorti. Il a ressort, non, mais tu vois, moi, je me dis, il y a peut-être que moi qui l'ai vu. Mais ça me cringe d'une force. Si jamais on a besoin d'un abri, on a de quoi. Maintenant, c'est bon. Il nous faut, par la suite, la salle de recherche, composite et résine. La salle de recherche, ça peut nous aider, mais en vrai, non. Il nous faut d'abord la centrifugeuse, on n'a pas d'aluminium, donc c'est la merde. Le four de fusion, ça va nous aider. Composite et résine, du coup. Ouais, alors, je sais plus, hein, faut que je regarde. Ça tombe bien, il faut que j'aille aux toilettes, dans pas longtemps. Je vais regarder vite fait. Meilleur endroit pour pouvoir voir les tweets de Ruffin. Non, non, mais ne t'inquiète pas. Moi, j'ai regardé, c'était quand? Hier.
T'inquiète pas, je comprends tout à fait. On en a parlé hier, avant-hier. Je comprends tout à fait. Pas y aller. Je pense que... En plus, il y a déjà des sujets qui sont très complexes de plus en plus en ce moment. Donc, prenez soin de vous. Hop, hop. On récupère le maximum de résine. On va aller chercher de la composite. Et après, ça va rouler un peu tout seul, je pense. Tu vois, depuis que j'ai plus mes générateurs, Clem Lelu, je perds de l'électricité dans mon dos. Je veux dire que quand j'ai plus d'électricité, je crois que je peux plus utiliser les outils. Donc, par exemple, mes générateurs d'oxygène, j'ai un peu peur aussi un peu pour ça. C'est pour ça que je me balade toujours avec deux mini trucs. Combien de résine? Je vais la garder là. Ok, je la mets. Je la mets. Ah. J'ai pas développé de fond sur de Ruf, hein, de toute façon. Ok, je vais passer juste aux toilettes, comme ça je vais vérifier. J'arrive. Ah! Pourquoi il y a la musique qui est revenue? Ah, c'est moi qui ai... Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Ouais, bah du coup j'ai pas trouvé, mais par contre j'ai trouvé un truc qui m'a fait rire. Apparemment j'avais bloqué déjà Ruffin sur Twitter. Ah JPP, il y a dû avoir un tweet qui m'a saoulé de ouf. Ça m'a fait rire ça. Bon allez, on a dit on cherche du composite. Quelle blague. Je remets Woz. Je vois pas les... Ah oui, il y a eu FOMO, l'explication. C'est le fait de toujours avoir peur de rater une info.
Moi, je dirais de poser les trucs pour récupérer les ressources, après tu pouvais les reprendre. C'est vrai que c'est pas beau, faux. Il y a aussi le concept de Jomo qui s'est développé à l'inverse. Joy of Missing Out. Joy of Missing. Ah, c'est pas mal ça. Ah, bah voilà. Bah voilà. Pas besoin de creuser aujourd'hui. Très bien. Retour à la maison. Ouais, je vous fais un peu profiter de la vue. Un jour, on va récupérer les matites, qu'il y en a plein partout, mais. Ah, mais en plus, ça se recharge vite hein, quand on est dans le coin. Hein. Moi, je veux bien laisser les trous, hein, parce que. Au moins, ça déclare où on est. Le four de fusion arrive. Donc ça va permettre de récupérer de la résine avec juste la terre, je pense. Ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une plateforme, je pense, pour le four de fusion. Ah, c'est nul. Broyeur moyen, ça serait pas mal ça de l'avoir. Hybride dans le coin. Va nous permettre avec le four. Que c'est ça. Enfin, je sais. Ah non, four de fusion, c'est pas ça? Je sais plus. Oh là là, je me rappelle plus. Je sauvegarde. On est perdu. On sauvegarde. Ensuite, j'ai des emballeurs, faut que j'aille chercher des trucs. J'ai ça à déposer. Là, par contre, on n'est pas en recherche pour l'instant de à ramener des trucs, donc c'est pas grave. Il nous faut ça, il nous faut un truc un peu grand quand même. Hein. En fait, ça c'est bien parce qu'en fait, on peut le. Alors, je vais verrouiller le sol, bim. Je vais verrouiller ça aussi. Ça, je vais te tourner un petit peu. Ah! Ah, j'ai dit un petit peu! Faut que t'ailles de ce côté-là, merci. Toi, tu vas où? Ouais, bon, ça, c'est pas un problème. Et toi, je peux te désenclencher de temps en temps. C'est ce que j'avais fait sur des holos. C'est-à-dire d'utiliser le four à fusion plus que. Alors, hop. Maintenant, on peut mettre des trucs et les faire fondre. Par exemple, si je mets ça, ça fait du carbone. Si je fais ça, je sais plus. Mais c'est peut-être pas le plus important. Maintenant, il va nous falloir un autre truc. On avait dit le broyeur. La salle de recherche, elle sert à rien pour l'instant. Labo de chimie. Labo de chimie, ça nous permet de faire un mélange titane, nanana. Mais on n'a pas de céramique, on n'a rien. Centrifugeuse de terre, ouais, c'est ça. Il nous faut de l'aluminium. C'est chiant. L'aluminium, je sais plus avec quoi c'est fait. Et je crois que c'est fait peut-être avec un. On va checker. Faire de l'aluminium avec ça. Ok. Tu peux pas faire avec ça? D'accord. Crois qu'il est en train de me dire nique-moi. Tu peux faire un truc avec ça. Ou pour faire. J'aurais pas dû faire ça. Voilà. Et je me rappelle plus, on va regarder l'astropédie, mais je me rappelle jamais des trucs de toute façon. Tu peux faire fondre ça? Ah oui! Bon alors vas-y, ça fait quoi? Ça va faire du fer, tout simplement. LOL. Bah ben voilà, on a du fer. Est-ce qu'on peut faire un truc avec le fer? Fer atmosphérique, non, on s'en fiche.
Ça, c'est ce qu'on doit ramener de toute façon. Le... Voilà, ça, il nous faut du fer. On avait besoin de fer pour ça. Il nous manquait que ça pour faire aller à Silva. Donc en vrai, ça, on peut l'embarquer directement et y aller direct. Pour la plateforme d'échange. Le condensateur atmosphérique. Bah, on pourrait le faire avec la. Je crois que la résine fait du plastique. Avec, mais avec un autre truc. Vert, c'est bon, c'est pareil, ça, en fait, de toute façon. Composite et aluminium. Alors, le fer, c'est bon, on a trouvé, c'est bien. Je ne sais plus ce qu'on fait, mais on le fait. Une plateforme de résine. Résine. Eh oui, je suis sur Glacio, indeed. Qui est la planète, une des planètes hostiles du coup. C'est, je pense, un niveau moyen. N'est plus du tout chez Silva. Sachant que bon, c'est intéressant, hein, il y a des trucs de gestion que tu fais différemment. Parce que là, vu qu'on a débloqué pas mal de trucs, au final, je pourrais juste récupérer l'oxygénateur et m'enfuir dans les trous là. Oh, mais on a ouvert un trou. Incroyable, regardez. Faut aller en dessous. Bon, là, c'est par contre, si je tombe, je meurs, je pense. Ça va être très très chiant d'aller en bas. Oh là là. Bon, bah, du coup, on a réussi à passer le niveau, le premier niveau. C'était juste une, je sais plus si c'était combien. Pas tomber dans ce trou-là. Hein. Ouh là là. A plus de rallonge. On a plus la possibilité de faire des rallonges, là, c'est. Oui, on pourrait descendre et faire une rallonge. Oui, c'est vrai que. Ah, si, c'est vrai que j'en ai fait déjà. Pour ma survie à moi-même. Oui, indeed. On l'en fera, ne vous inquiétez pas. Mais là, pour l'instant, on essaie de juste augmenter pour pouvoir au moins être un peu à l'aise pour l'exploration. Et avoir des ressources qui puissent être récupérables assez rapidement. On est déjà pas loin, hein, de ce qu'on a besoin. Qu'il nous faut, ouais, on va dire que oui. Je trouve cette organisation de production pas très inc... pas très pas très très bien, je trouve. Ouais, de toute façon, tu ok, hein. On a vraiment pas besoin de toi pour l'instant. Va te mettre là, ranger, ranger dans le placard. Hop. À toi, on doit. De toute façon, on va organiser notre départ. On a besoin, si on a besoin de fer, clairement. On va mettre le fer ici. Ça, ce sera quand tu auras un labo de recherche, on peut te mettre là. Un petit peu ça. Hip. Encore. Encore. Oui, j'avais oublié que j'en avais sur mon sac, c'est vrai. J'avoue, j'ai oublié. Hop, on tourne un peu. Hip. C'est de l'organisation, excusez-moi. Tac. Ah oui, je l'ai verrouillé, c'est vrai. Ah, c'était une plateforme? Ouais, ok. C'est un débris. Ça va être la grande imprimante.
de travail. Déverrouillez-moi ça, s'il vous plaît. Hop. Oups là. Attends. Faire ça, hein. N'importe quoi. Pourquoi il l'a mis devant? Voilà. Donc, maintenant qu'on a tout ça. Non. La grande plateforme. Ah non. Il nous faut la centrifugeuse de terre, donc de l'aluminium. On a du composite. Point du tout. On va aller chercher le composite d'abord. Je crois qu'il y a des trucs à ramener de là-bas. Bon, ça roule bien là, le stream. C'est bien, je suis content. Ça faisait longtemps que ça roulait pas aussi bien. Merci Firefox d'avoir été sympa avec moi. Ça fait un composite, on va peut-être en prendre plus. À l'ammonium. Eh, mais ça fait peut-être de la. Yahoo. On a besoin de ressources de toute façon, donc là. Ouh. Je crois que je suis plein. Hein. Ouais. On a des trucs à ramener. Et les emballeurs, mais. Il y a notre. Il y a la station de métro là-bas. Oui! Pas de ramage, ouais, c'est beau. Hein. Après, c'est parce que aussi j'ai branché. Bon, après, j'ai ouvert Chrome quand même un moment. Ça aurait pu être compliqué. J'ai ouvert Adobe juste avant de commencer le stream. Donc, c'est pas non plus le mieux. Donc, du coup, là, il nous manque de l'aluminium. On va checker l'aluminium, ce qu'il nous faut. L'Astropédix. Latérite, oh non. Tiens. On en a besoin là. Par contre, la centrifugeuse. Bon, on va laisser, on va descendre du coup. On va dans le trou. Ouais, bah c'est Chrome, oui, bien sûr, parce qu'en fait, Chrome demande beaucoup de ressources. Ouvre 15 ressources, bien entendu. Hein. Et là, je suis sur Radio Garden, mais sur Firefox, hein, et ça fonctionne. Là, sur le coup, je peux rien dire. Hein. Il y avait aussi le problème d'hier, c'était aussi le fait que... Il n'y avait plus de batterie. Donc du coup là le fait que j'ai aussi récupéré la batterie, c'est bon. Tiens. On va faire un colimaçon. Hop. Je devrais mettre des rallonges, je pense, au cas où je meurs. Mettre des rallonges. Peut-être qu'on va juste prendre les rallonges qui vont là-bas, parce qu'en fait, au final, on n'a pas besoin de celle-ci. Il y a un trou qui nous aide pas trop. Pour rien. Merci. Pas obligé de monter, du coup. Hein. Un colis de maçon? Ouais. Ou un coulis de maçon? Ou voilà, je vais pas faire de blague de caca. Paquet de rallonges est pleine. Intéressant.
Là là, ça a l'air un peu... Ah, ouais. Ah! C'était plus agressif que je pensais. Bon, il y a du quartz. Question. Steam. Est-ce que vous savez si on peut récupérer la clé d'un jeu sur un ancien compte? Ah, faut demander à Ravingmail parce que Ravingmail est fort avec les clés. Forte. Ouais, bref, faut demander. Je ne sais pas, moi j'utilise très peu Steam en vrai. Et pour donner les clés, bah ouais, du coup, faut voir avec Rimmel. Avec Steam. Et les clés de Steam. Ça fout une station de métro en sous-sol. Qui a eu cette idée-là? Oh, direct vers l'intrus, c'est bien ça. Donc, il nous faut de l'aluminium, donc de la latérite il faut trouver. Il y a un bloc de glace qui va pas nous permettre. Station essence, est-ce que je peux appeler le wagon plus proche? Non. Latérite, il nous faut de la latérite. Pour l'instant, je ne vois point. Qu'est-ce que c'est que c'est? Latérite! Magnifique! Un champ de latérite! Il y a des trucs à ramener en emballeur là. Alors hop, on va poser ça. Ça emballe. Oh non! C'est dans le trou! What the fuck? Reviens, latérite! Ah non, c'était la résine, ok. Oui, il a fait tomber le deuxième emballeur. Quoi cette histoire? Ça s'embarque aussi? Ah, ça peut être ouvert avec un bloc d'explosifs. Je sais, je connais des gens qui sont très forts en explosifs. Ah, je peux pas. On va le porter à la main du coup. On va aller chercher un autre truc pour la salle de recherche si jamais il y a besoin. J'ai plus de place dans mon sac exact, mais c'est pas grave. J'ai besoin que d'un bloc de latérite de toute façon. On va juste aller chercher. Ah non. De toute façon, on remonte, donc on s'en fiche un peu. On va prendre le bloc de glace et on va voir ce qu'on fait avec en haut. Mais je peux pas le sortir de son bloc. Oh, niquez-moi, JPP. Je vois rien, on est trop proche. Là, je peux creuser dedans. Tellement pas les outils. J'ai pas les barrières. On sait ce qu'on doit faire. On doit faire un outil de forage. Au final, c'est pas si compliqué. Je pensais que ça allait être plus dur. 11h30. Il va falloir que j'y aille dans pas longtemps.
Et pour qui déjà? Ah oui, fallait faire de l'aluminium avec. Alors. Au bon endroit. Ouais, bah après c'est... Moi je le trouve mignon comme jeu et... Ça peut être fait en multi. Donc je pense qu'en multi ça doit être vachement intéressant aussi. En parlant d'utilisation de ressources. Regardez bien parce que c'est là où c'est intéressant. Je voulais pas montrer, mais par exemple là il y a les éoliennes qui sont en fonction. Pour voir si on est en bonne position de ressources, il y a la petite barre qui est en jaune là actuellement. Quand ça va s'arrêter, vous allez voir ça va devenir rouge parce que là il y a l'imprimante qui est en train d'utiliser toute la ressource électrique. Donc en fait l'idée c'est... c'est comme ça qu'on sait à quel moment on est en trop ou pas assez. C'est pour ça que je disais que les éoliennes vont nous aider parce qu'il y a pas mal de vent. Mais par contre, il faut avoir du vent pour pouvoir, bien sûr, que ce soit en fonction. Et après, vous avez vu aussi comment j'utilise le truc, c'est-à-dire que je me dis pas que j'utilise une seule plateforme. Par exemple, pour l'imprimante, en vrai, on n'en a pas forcément besoin tout le temps. Mais là, ça y est, c'est parti. Hein. On va pouvoir faire des trucs. La centrifugeuse. On peut claquer plein de trucs. Alors, la centrifugeuse, elle nous permet de faire des composites directs, des quartz, etc. Donc, là, par exemple, on a besoin de quoi? Ah oui, c'était ça, il faut qu'on fasse l'alliage de titane aussi. On n'est pas là. Imaginons qu'on doit faire l'alliage de titane. Donc, du coup, il nous faut le labo de chimie. Il faut du céramique, du verre et du tungstène. Tungstène. On va aller ouvrir l'Afropédix. Oui, bah oui, clairement. Après, clairement, t'as raison, Clem. Du coup. Il faut du coup du tungstène, c'est avec de la wolframite, qu'on peut pas faire avec le four à fusion. Il nous faut du verre, je crois, avec du quartz. Il y a du quartz en bas, donc ça c'est bon. La wolframite, ça ressemble à quoi? Ressemble à ça. Et il n'y en a pas ici. Oul! La wolframite, je crois pas. Hein. Contre, on peut faire de la composite direct. C'est là que ça va être intéressant. Attends! Voilà. On va ouvrir nos recherches. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Ah oui, l'oxygénateur portable, il faut de la... Voilà, bon, bah ça c'est... ok. Tapoteur. Donc il va falloir qu'on débloque des modules. Voilà, je pense que ça va être ça, le module de forêt. Et il faut du carbure de tungstène. Non, pas de forêt. Si, diamant. Oh, carbure de tungstène, il faut ça. Ah ouais, mais non. Faut le truc chimique pour faire du carbure de tungstène, je crois. Moi je... Il y a des trucs que les jeux ils peuvent s'organiser pour pouvoir éviter que ce soit que de la machine quoi. Sans être non plus dans la surexploitation aussi, par exemple. Pas de la gestion de recherche. Plus, mais ce serait intéressant. Le four de fusion, imprimante.
J'ai dû faire de la résine. De chercher de la résine. Plastique, le verre. Le fer. Céramique et du tungstène. On n'a pas de tungstène, ça c'est l'enfer. La grande imprimante nous sert pas à grand chose à chaque fois. C'est pas grave. Peut-être qu'on peut essayer de faire le broyeur aussi. Vais regarder tout. Okay. Deux de fer, c'est très bien. On a du fer. Pas le broyeur. Comme ça, on va pouvoir récupérer On va pouvoir récupérer tous les débris qu'on trouve. Et les utiliser peut-être après. Fer, bah, du coup, il est là-bas. Ici, bah, je suis en train de le faire, justement. Je suis actuellement dessus. Après, broyeur moyen, c'est tous les petits trucs. Donc, c'est pas, par exemple, les grosses plateformes comme ça, il faudrait que je fasse les grands. Donc ça doit être deuxième niveau. Capteur de batterie. Objets ciblés en fonction des variations de l'alimentation. On va commencer à débloquer des trucs, hein. Solaire moyen, cuivre vert, éolienne moyenne, aluminium céramique. Ça on peut. On va voir après, hein, pour l'instant. Feuille aussi, ça peut être intéressant. Bon, ben voilà, puissance de forêt, alliage de titane et carbure de tungstène. Ou alliage d'aluminium et silicone. Pour un finisseur, c'est pour faire des routes. Alliage de titane, on a, mais carbure de tungstène, on n'a pas. C'est un peu chiant, il faut que je fasse le labo de chimie du coup. Broyeur, c'est plus exo, fer et carbure de tungstène. Pareil, il faut le labo de chimie pour ça. On peut faire la locomotive. Ah, mais c'est en fait, c'est ça. Et après, il faut faire des wagons et voilà, résine, aluminium, cuivre. Faire ça aussi. Ça rentre dedans ou pas? Pas dedans. Apparemment non, c'est trop grand. Je suis un peu perdu. On va continuer, on fait le labo. Comme ça on va être à l'aise. Avec ça, de l'argile pour faire de la céramique. Et donc il faut que j'aille creuser et aller chercher du quartz. Bon, on fait l'aller-retour et après je vous laisse. Il est un peu 11h37. Dans pas longtemps, je vous laisse. Bon, en tout cas, voilà, je pense qu'on est installé sur Glacio. J'espère que vous appréciez. On va voir cette descente, ce que ça donne.
Oui, j'ai déposé la bonbonne, mais je l'ai pas reprise. Il dit quoi, tungstène? On fait monter le quartz déjà. Ah, mais ça creuse un peu, hein. Après, ça bloque. Ouais, je pense. Balader un petit peu dans cette. On va regarder les débris surtout, parce que vu qu'on doit. On a trouvé. On a de quoi utiliser. Il y a beaucoup de stations de métro, hein. Ah! Est-ce que ce serait pas de la wolframite? Je suis en train de me perdre. Qu'est-ce que c'est? La titanite! Intéressant! Ça, c'est quoi ça? Titanite. Ok. Donc, du coup, si je fais chauffer ça, est-ce que ça fait de la liège de titanite d'après vous? Ah, WWOZ a changé, a décidé d'arrêter. Si vous avez de quoi choisir en tant que radio, n'hésitez pas. Sinon, je relance, j'appuie juste sur play. Voilà. Ah, je suis content que ça roule bien le stream là aujourd'hui. Ça change de d'habitude. Bon, alors faut que je me note, du coup. Firefox. Et pas que j'ouvre aussi. Alors, du coup, on a ça. Céramique, ça c'est chiant, c'est que j'ai pas pris la bonbonne. Donc, prends la bonbonne et je vais faire un trou. Oh, trop bien. Ah mais on est dans notre trou à composite, c'est bien ça. Que ma bonbonne est pleine. Oui, on dirait. Non-dead. Ok, je vais chercher ça. Alors, qu'est-ce que ça m'a donné? Titanite. Fais de la titanite. Il soude moi, hein. En vrai. Que tu peux me faire de l'argile, exact. Si. Le verre, c'est bon. Et on avait dit, on fait le labo de chimie. Donc du coup, c'est un verre. Le tungstène, je pense qu'on va mourir. Je crois qu'il va nous dire mort. Radio Saptranganon dead, ok. Ah, je savais pas. Du coup, tu. Oui, moi j'ai. Là, c'est Firefox base. Et LibreWolf, il me bloque trop. J'essaierai ESR. Maintenant, le tungstène, qu'est-ce qu'il nous faut déjà pour le tungstène? Ah oui, c'est la wolframite. Je crois qu'on va pas trouver ça ici. Hein. Et là, il nous dit des holos et Kalidor. Le caca.
En plus, la botte chimie, c'est le plus important du coup ici. Ouais. On va continuer dans la grotte et on verra. La conversation sur les navigateurs, la dernière fois, je repasse sur Firefox, je suis trop influent, simple. Ouais, non, mais en vrai, le truc, c'est que il y a aussi une grosse. Il y a une grosse pas attaque, mais on pourrait pas dire ça comme ça, mais le. La Chrome s'énerve de plus en plus sur les ressources, donc du coup, et ce qu'il veut capter. Donc. Pense que vaut mieux qu'on passe tout ça et tout à Firefox. Il n'y est pas encore. Hein. Ah, je peux pas. Quoi? Peux pas construire dessus? Pourquoi? En bas en plus, les gens, s'il vous plaît. Encore dans un pilier, mais j'en peux plus de moi. Oh là là. Un truc qui va exploser là. J'allais mourir actuellement. Ouais, bon, il y a des trous un peu partout. C'est pas très sympa ce que j'ai fait. C'est intéressant, mais. Pas comment je vais passer en fait ce passage-là. Je peux même plus construire sur les. Sur les murs quoi. C'est soit je passe, je survis, soit je crée des trous en plus. Pas très sympa quoi. Attendez, déjà on va faire ça. Hop. On tente. On tente d'aller au deuxième niveau. Possible. Comment je peux me retrouver dans ce truc encore une fois? Comment je fais pour arriver de l'autre côté là? Je peux rien construire, c'est vraiment nul. Il faut que je trouve un mur. Peut-être que si je tourne dans l'autre sens, ça a l'air d'être bien. Ouais. Waouh, c'est devenu très petit de ce côté-là. Je tourne dans l'autre sens. Oh mon Dieu. Y a rien qui va dans cette histoire. On tourne plus haut. Oh là 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 là, les trous. Oh les trous! Ok, alors, bon là il y a des trous, c'est l'enfer. Je vais mettre un truc ici pour le signaliser. On va arrêter de mettre des rallonges là-bas là. On est par là. Doléance, c'est grave, c'est très très grave. Bon, disons qu'on a abandonné les rallonges là-bas, hein. Moi, je vais pas les chercher, hein. C'est un coup à mourir, ça.
Y a plus de place. Là, il y a un trou, faut que je fasse attention. Donc je vais mettre. Voilà. Voilà. Il faudra faire attention ici, hein. En plus, le pire, c'est que j'ai plus de rallonge, quoi. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment, je dois faire attention. Oh là 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 là. C'est ma dernière rallonge, quel enfer. Ah, ça a changé. On est au sol. Dois-je remonter? Oui! Ah! Les pires bestioles du monde. Deuxième niveau. Il y a de la latérite. Est-ce qu'on a de la wolframite dans le coin? Par contre, pour retrouver ce chemin-là. Mettre ça. Hein. Ah oui, d'accord. Ok. Le deuxième niveau, c'est une suite de trous. Trop bien. Ah, ça y est. Non! Il fallait mourir à cause du gaz. Quel enfer. Ça ralentit. Mais ouais, c'est. Oh là 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 là, le deuxième niveau est devenu impraticable. Je me fais crier dessus par la musique. Ça a fonctionné ou pas, non? Pas assez. Bon, faut que je remonte, j'ai plus d'oxygène. Ok. Compliqué. Il va falloir que je crée des ponts et j'ai pas assez pour créer des ponts. J'ai pas le module. Donc, ouais, on est un peu dans le caca. On s'est pas beaucoup baladé ici, mais. Qu'il y ait de la wolframite pour autant ici donc. La musique est intense, c'est vrai. Bon, on va checker s'il y a de la wolframite. Oh, regardez le fer, l'hématite qui fait des stalactites. Ouais, on trouve pas trop de wolframite dans le coin, hein, clairement. Toute façon, c'était pas écrit qu'on allait en trouver, donc comme ça.
Comme ça, au moins, c'est clair. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on peut-être qu'on se balade sur les débris ou des trucs qu'on peut ouvrir. Je ne sais. De toute façon, il va nous falloir des rallonges. J'ai l'impression qu'on peut. N'empêche, c'est un peu une planète où tu farmes des octets, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs à chercher. Hein. Des trucs à exploser aussi. Ah, mais attendez, on n'avait pas ramené un truc qui devait exploser aussi, hein, qu'on a utilisé sur les grenades. Ouais, mais là, de toute façon, on est un peu. Recherche de l'ammonium, ça, là-haut. Ouais, on est un peu en recherche de ressources, de toute façon, donc... Là, en vrai... compliqué de se dire, oui, oui, il y a un stream de Bichette à 13h30 chez Lentille. Exact. Qui est très important à aller voir. De toute façon, la latérite, on sait à quoi ça sert. C'est juste à être fondu. Je sais plus ce que ça fait l'ammonium dans le four à fusion. Rien. Lol. C'est bien d'avoir d'utiliser enfin les ressources atmosphériques à un moment. Ouais, il faut le labo de chimie. Oh là là, ouais. J'aurais dû ramener du tungstène. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de chance de trouver du tungstène dans la pampa. Hein. Je vais prendre des rallonges. Faut vraiment qu'on fasse l'oxygène interportable. Peut-être qu'on peut le faire le truc là. Ça, non, c'est ça. Alliage de nanocarbone. Donc alliage de nanocarbone. Est-ce qu'on peut faire ça? Qu'est-ce qu'il me faut? Ça, non, je sais plus. Alliage de nanocarbone. Ah oui, c'est ça. Il faut que j'aille dans à trop. Oui, c'était mal dit, pardon. Alliage de nanocarbone. Donc il faut forcément le labo de chimie. Alliage de titane, acier, hélium. Oh là là. Viens de raffiner l'alliage de titane. Donc on pourrait faire avec de l'alliage de titane, il faudrait trouver absolument du wolframite quelque part. On part par là. Ah, t'as pas vu Clem Lelu? C'est même pas bien parti, c'est... Là, c'est... la suite de leur attaque. Est-ce que t'as le lien pour la pétition d'ailleurs Strega, là, dans le coin? Je crois qu'elle est toujours active. Faut absolument qu'on cherche dans les débris, hein.
Les rallonges, on s'en fout de ça. Alors, chez Désolo, j'avais trouvé un truc très très rapidement dans les débris qui étaient autour. Et là, je galère. C'est l'enfer. J'avais trouvé la petite bulle de jeu qui en fait est un transport en fait. Qui ramène de l'oxygène. Et si tu veux, je peux le checker. Hein. C'est aussi. Hein. Je vais faire ça. Ça, c'est quoi ça? Du graphite? Rentre un peu là, j'ai plus d'oxygène. Ah, on va pas trouver grand chose. Hein. Ça va être compliqué. En plus, je me fais exploser à la gueule des trucs. Super. C'est pire que ça, ils veulent mettre en place l'équivalent de thérapie de conversion. Convaincre les enfants adolescents qu'ils ne veulent pas vraiment transitionner. Ah, il est midi? Attends, faut que je me barre. Survécu. I'm alive. Merci Clem Lelu. Merci Strega, j'étais en train de lire du coup ton message, je vais sauvegarder. Et je vous laisse là maintenant. Du coup, on va devoir se balader dans la pampa, je pense. Donc, convaincre les enfants adolescents qu'elles ne veulent pas vraiment transitionner, qu'elles sont très bien dans leur genre d'attribution, c'est une dégueulasserie. Non. Voilà, c'est très bien résumé. Je coupe la musique, je mets la musique du live, et je vais vous envoyer quelque part. Je suis désolé, hein, je finis rapidement, mais... Merci de me rappeler que je dois me barrer. On va voir. Ah. Ça sculpte quoi, ça papote? Je sais pas, il y a que des gens qui sont très connus quand même. Sauf une personne. Donc on va aller voir la personne qui est moins connue. Voilà, désolé, ça c'est un peu rapide. Je vous montre si, est-ce que ça marche ou pas. Ouf. La fin. Sauvegarder et revenir au menu principal, exact. Vous êtes prêts? On va essayer de voir si ça fonctionne du coup. À la prochaine. On va voir si ça... Oh, ça... Ah, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Magnifique. Je vous laisse kiffer. À la prochaine. À demain, du coup. 10h. Previously on Astronir.